une orchestration. Il était un habitué des hit-parades, hein. Les tubes ont succédé aux tubes. J'ai beaucoup dragué sur ces chansons que je chantais à l'oreille des filles. Dans les dédicaces, c'est tout ça qu'il fallait pousser les filles, tout ça, parce que c'était vraiment des fois la foule. Hein. En Arménie, il y avait des stades de 30 000 personnes où on était attendu. Il était mort. C'était la musique et encore la musique. La famille Markarian a peut-être une histoire assez mouvementée. Au départ, mes parents sont des rescapés du génocide arménien de 1915. Ils sont arrivés en France, où nous sommes tous nés. Ils ont créé cette petite usine familiale de produits alimentaires. C'était pas son truc. Lui, c'était plus la musique, la poésie, les études. Comme il avait toujours cette envie de la musique, il a appris le solfège tout seul, il a appris à faire ses gammes tout seul, il a tout fait tout seul. Il travaillait des heures et des heures pour jouer au piano et c'est vrai qu'il a réussi à très très bien jouer à Paris. Et il est allé à Paris. Marc à Paris a enregistré un disque sous son nom, Henri Markarian. Alors, il en a fait un second, mais alors il a dit je vais changer de nom. Donc il a scindé son nom en deux, ce qui est devenu Marc Arian. Et il a dû se produire lui-même. Il a créé sa propre maison d'édition aussi. Ma sœur aînée a épousé Jacques de Cuper et ils ont créé un établissement, la Barque à Jacques, à Zeebrugge. Marc, avec son disque, s'est dit, bon ben, le meilleur test que je puisse faire, c'est d'aller à la Barque et de passer ce disque et voir la réaction du public. Et maintenant, la Barque à Jacques présente Arian. Et puis ça a marché tout de suite, très fort. On a eu beaucoup de demandes, tout le monde venait demander qui était ce chanteur, quel était ce disque, pourquoi, où on pouvait le trouver. Et puis voilà, ça a démarré comme ça par la Belgique. Et alors, bon, ben, Marc est resté en Belgique. J'y habitais, donc chez lui, à Ouen. J'étais à sa disposition jour et nuit. Je t'invite dans mon petit coin de paradis. Je t'invite. Oui, mais elle était bête à manger du pain. Et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le monde avait dû l'oublier. Oula, oula, oula. Cher Cathy. Oh, Cathy, Cathy. J'avais une amie qui sortait avec le chanteur des Chabrol, Robbie. Et cette amie me disait un jour, il y a une répétition avec les Chabrol, est-ce que tu as envie d'accompagner? Alors on s'est installé là au premier rang et très curieuse pour voir Marc. Alors Marc montait sur scène et il m'impressionnait beaucoup. Il était petit, pas beau, mais sa voix était... m'impressionnait énormément. Alors pendant toute la répétition, je ne le quittais pas des yeux. La musique m'emportait et j'étais fascinée par lui, disons, par sa voix. Après la répétition, il se dirige vers moi, il me demande mon nom et il dit « Je t'invite au restaurant ce soir ». Nous sommes allés manger avec les Chabrol dans un vieux restaurant au port d'Anvers. Marc était très amoureux de moi. C'était vraiment le coup de foudre chez lui. Et il ne le cachait pas, hein. Il était tout le temps occupé à me toucher, à me parler doucement comme ça. Et le soir, il me raccompagne chez moi et il me demande « Est-ce que tu veux me revoir ?» J'ai hésité, je lui dis « Oui, mais je suis très jeune. » Alors il me dit « Est-ce que c'est mon physique qui te retient ?» Alors j'avais le cœur brisé, je dis « Je dis non, ce n'est pas le physique, c'est vraiment les circonstances, j'ai encore mes études et donc j'ai inventé quelque chose, je ne voulais pas lui faire de la peine. Ça veut dire que physiquement il... Oui, il me dit, c'est très dommage, parce que j'aurais bien voulu te revoir, mais si ça ne va pas, tant pis, il dit, mais je vais écrire une chanson pour toi.
Et quelques mois plus tard, Marc a envoyé un de l'orchestre de Chabrol avec le disque Cathy, avec les compliments de Marc. Alors moi, j'étais très touchée et embarrassée en même temps. J'entendais partout, « Oh, Cathy, Cathy !» Partout dans les dancing, à la radio, à la télévision. Marc parlait de moi à la télé. Numéro 1 au hit parade, c'était quand même quelque chose d'important. Avec ce titre en plus, alors ça, c'était la gloire. Tu es numéro 1 au hit parade de mon cœur. Je me précipite, je décroche vite et je dis allô chérie, c'est toi. Si tu n'étais pas volage, volage, nous ferions un beau voyage, voyage qui nous mènerait au pays des cheveux blancs. Si tu n'étais pas volage. Istanbul, je pense souvent à tes mosquées et à tes longs minarets qui s'élancent vers le ciel. C'est une question. C'est le printemps pour moi, je suis amoureux. La vie soudain paraît plus belle. Le ciel est rempli d'hirondelles, on sent joyeux. Après 2 ans, je me promène sur la digue ici à Knok. Et j'ai une amie qui vient vers moi et me dit, tu sais, Marc Arian, il se promène à la digue. Et je cours vers lui, je dis, bonjour Marc. Et il me regarde et dit, Cathy, il me dit. Le soir, je chantais au casino. Ça m'impressionnait de nouveau, une fois Cathy, en disant, parce que Cathy est dans la salle. Je t'aimais, Cathy. Et j'étais très émue. Vraiment, c'était pour moi peut-être le plus beau moment de ma vie. Et en mariage. Il dit, c'est la première fois que je pense au mariage, mais c'est toi vraiment que je vais épouser. Est-ce que tu veux m'épouser? C'était une belle histoire d'amour, disons, qui a mal terminé, mais je garde un souvenir d'un être merveilleux de lui. C'était vraiment... Tu es une petite fille, vraiment trop raisonnable. Tu fuis devant la vie, tu fuis devant l'amour. Ben. Tu ne seras jamais ma roue de secours, celle qu'on vient chercher en panne d'amour. Mais je crois que j'ai le bon numéro. Je viens de... La rencontre avec Marc s'est faite en 1979. J'avais 23 ans et ça s'est passé à Peck. Ce qu'il aimait chez moi, je crois, il y avait une certaine jeunesse à cette époque, mais c'est surtout la sincérité. Être aimé pour lui-même, oui, peu. Si je t'écris cette lettre, moi je me rappelle quand même de... Je l'ai vu décliner très vite, en 3 mois de temps. Il a vraiment décliné et je me posais beaucoup de questions.